retient en paillet. Donc continuons notre petite exploration. Tiens, allons voir la prochaine porte à gauche, Caroline. On va voir ce qu'il peut bien y avoir là derrière. Un cadavre dans la salle de bain. Alors on était venu pour le suspecter d'être le meurtrier, maintenant on en a la preuve. Donc ok, maintenant on va repartir, Caroline, il faut qu'on retourne prévenir la police et nos journalistes et notre éditeur. Mais ok, jetons un œil juste à la dernière porte avant de partir, mais après on y va. Voilà où elles avaient disparu, toutes ces femmes. Elles ont été empaillées par un taxidermiste. Donc on est journaliste, on va faire des photos. Il s'est fait sa petite galerie. Mais c'est des vraies femmes. Donc allez, une dernière photo et on s'en va, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même chez un meurtrier. Maintenant on est coincé à l'étage et le taxidermiste est revenu. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Alors vous voyez, split screen, à gauche on voit ce que fait le taxidermiste, à droite Caroline est toujours en contrôle de son personnage. Vous voyez que le personnage, il a changé de posture maintenant, il marche sans faire de bruit. Attention, Caro ne fait pas de bruit, il marche très doucement. N'oublions pas que le plancher craque, faudrait pas qu'il entende nos bruits de pas, il est juste en dessous. Pour l'instant il nous a pas repéré. Va doucement, Caroline, doucement, on va descendre dans l'escalier. Sans faire de bruit, il est juste à quelques mètres. Bouge plus. Non, pas bouger. Il est juste là, vous le voyez, il est à quelques mètres. Ça, il faut pas qu'il nous voit, pas de bruit, Caroline. Vas-y doucement, allez, on y va. Il s'assied dans le canapé, il est juste là, hein, pourvu qu'il tourne pas la tête. Tout doucement, ok, vite, prends la première porte, Caroline, n'importe quoi, la première porte, on va voir où ça nous mène, et tu l'ouvres tout doucement, faut pas l'ouvrir trop vite, faut pas qu'elle fasse de bruit, il est juste là. Ok, s'en est tiré, allez, on avance. Le garage, c'est la porte du garage, celle qu'on a vue de l'extérieur. On a peut-être une chance de s'en tirer encore. Vite, le bouton de la porte, carreau à gauche. Vite, on a encore une chance de s'en tirer, il sait pas qu'on est là. Vite, faut démarrer, c'est une satanée moto, allez. S'en est sorti. Donc qu'est-ce qu'on a vu là? Toute l'histoire, elle a été racontée par Caroline en train de jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... On a eu très peu de cutscenes, ça a été tout le temps jouable, elle a toujours été en contrôle. Et l'histoire, quelque part, qu'on a racontée, c'est celle que Caroline, en jouant, a décidé de raconter elle-même. Alors c'est bien, mais Evirek, c'est pas exactement que ça. C'est pas simplement une histoire linéaire qu'on va jouer d'une manière, hein, sinon ça serait un jeu... un peu comme les autres.
Ce qui est vraiment particulier dans Heavy Rain, c'est qu'on peut rejouer la même scène plusieurs fois, et qu'en fonction de comment on la joue, on va voir des choses très, mais alors très différentes. Là, on a vu une histoire où on s'est enfui sans être remarqué. On aurait pu se faire remarquer parce qu'on aurait pu déranger des choses dans sa maison qu'il aurait remarqué et il se serait tout de suite mis à nous chercher. Mais on va voir maintenant encore un autre scénario, un petit peu différent, et vous allez voir à quel point la scène peut changer en fonction de ce que vous faites. Donc là, je reviens en arrière, le taxidermiste est rentré, mais cette fois, il est à l'étage. Il est à l'étage, moi je suis dans la salle là. Alors vous voyez cette interface là, c'est ce qu'on appelle un impress. Alors il faut appuyer sur les boutons et maintenir la pression. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors ça sert à se cacher dans cette scène. Voilà, maintenant on est planqué. Alors le joueur doit maintenir ses boutons pour rester caché. Ça veut dire qu'il se met dans une situation assez inconfortable. C'est vraiment Caroline est en train de maintenir ses boutons là, ce qui n'est pas très pratique. Mais son personnage non plus. Oh, ouf. On a eu chaud, il est passé juste là. Ok, on a encore une chance de s'en tirer, Caroline, on va sortir. Vite, vite, il est allé dans la galerie. On a une chance de l'éviter. Alors, on peut jouer à cache-cache avec lui dans la maison. Il y a des cachettes dans toutes les pièces de la maison. Et on peut vraiment se planquer, essayer de ne pas se faire remarquer. Ne fais pas de bruit, Caroline, pas de bruit. Là, il est parti parler à ses filles. Et voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Allez, go. Oh, t'as fait du bruit en ouvrant la porte. Merde, flûte, voulais-je dire. Mince, ça perd l'hypopète. Vite, il faut qu'on se planque, vite le placard. N'importe où, la première planque que tu trouves, elle est dans le placard. La même interface, là-bas, on maintient les quatre boutons. Oh oh, je crois qu'il vient dans notre direction, il nous a repérés. Surtout pas bouger, Caroline, pas bouger. Maintiens les boutons, il y en a quatre cette fois, c'est un peu plus compliqué. Oh oh, je crois qu'il vient dans la chambre. Je crois qu'il vient dans la chambre. Alors, on aurait pu se cacher sous le lit, évidemment, dans la pièce. Heureusement, on l'a pas fait parce que c'est là qu'il vient. On aurait pu se cacher dans plein d'endroits, dans le placard par exemple. Oh, je crois qu'on est caché dans le placard. Oh, vite, 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 bien joué. La lampe, Caroline, tu peux la choper. Ouf. Alors là, c'est toujours Caroline qui est en contrôle, c'est elle qui dirige le personnage, même si elle est en train de toucher tout son environnement, c'est Caroline qui joue et qui la dirige, c'est pas une cutscene là. Elle est en train de vraiment de contrôler le personnage, vite. Oh, vite, Trian. Ah mince, elle a raté. Notre personnage a un bleu maintenant sur la joue, elle est blessée, vite, il faut trouver autre chose, la porte, va vers la porte, dépêche-toi. Vite, il arrive. Vite, il faut l'ouvrir. Vite, il va arriver, dépêche-toi. Il faut qu'on trouve autre chose. Vite, 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 il faut trouver autre chose. Il faut trouver la fenêtre de la cuisine. Va vers la fenêtre de la cuisine, on a peut-être une chance de l'ouvrir. Ah mince, elle est coincée, vite, il faut soulever le pad maintenant le plus vite possible pour essayer de l'ouvrir. Dépêche-toi, il arrive. Ah mince, à gauche, dépêche-toi. C'est raté.